Europe 1, faites entrer l'invité, 10h30, midi, Oldelaf. Alors Oldelaf, chaque semaine, revisite à sa manière l'actualité. C'est pas toujours folichon, folichon, comme dirait Cabrol. C'est même carrément triste. La tristitude, mais c'est drôle. La tristitude, c'est faire du nudisme en même temps que Guy Carlier. C'est quand t'oublies ton chien dans la voiture l'été. Quand Joe Star te mord si t'es pas vacciné. Ça fait mal. La tristitude, c'est quand un escargot rattrape grand corps malade. Quand tu dis à une femme qu'elle a un bout de salade. Quand elle te répond, bah non, c'est une carie. Et ça fait réfléchir. La tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est la balade à dans le creux de la voix. La tristitude, c'est c'est ouh, c'est eux, c'est vous, c'est la vie qui te dit que ça ne va pas du tout. La tristitude, c'est quand ta femme te dit qu'avant c'était un gars. C'est quand des loros qui patinent au Sahara. Quand tu réponds à un bonjour qui est pas pour toi. Ça fait con. La tristitude. C'est la grève des intermittents. Ça fait creux. La tristitude, c'est le monde, c'est moi, c'est nous, c'est quoi? C'est un peu de dans le creux de la voix. La tristitude, c'est moi, c'est vous, c'est eux, c'est vous. C'est la vie qui te dit que ça ne va pas du tout. La tristitude, c'est quand tu te rends compte que tes parents sont stériles. C'est Pierre Ménez qui se fait un piercing au nombril. Être représentant de Farine en Sicile. Ça fait louche, hein. Et ça fait louche, hein. Ah oui. La tristitude, c'est un lacet d'effet dans les toilettes totales. Patrick Dupont qui signe avec ses initiales. Si Henri Dess se mettait à faire du métal. Et ça fait ouais, je suis Satan les enfants. La tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est ta balade dans le creux de la voix. La tristitude, c'est c'est ouh, c'est eux, c'est vous, oh, c'est la vie qui te dit que ça ne va pas du tout. Oldelaf. Bravo. Alors, bravo. Si vous voulez continuer à vous marrer chez vous.